Le FC Barcelone a devancé le Real Madrid en s'offrant le jeune Pablo Torre. Le milieu offensif espagnol quittera le Racing Santander pour le Barça B à la fin de la saison 2021-2022 dans le cadre d'un transfert qui pourrait dépasser les 20 millions d'euros. C'est un bien joli coup que vient de réaliser le FC Barcelone. Les Blaugrana ont officialisé ce vendredi soir le recrutement du jeune Pablo Torre, le milieu offensif de 18 ans évoluant au Racing Santander, Détroit espagnol, que nous vous présentions cette semaine sur notre site. Pour s'attacher les services de ce jeune prodige du football espagnol, les dirigeants catalans devraient bien débourser une jolie somme. Le Racing et le Football Club Barcelona ont conclu un accord pour le transfert du footballeur Pablo Torre, qui terminera la saison 2021-2022 avec l'équipe cantabrique. L'opération, qui démarre avec un montant forfaitaire de 5 millions d'euros, peut dépasser les 20 millions d'euros en fonction d'autres bonus liés à l'évolution individuelle de la carrière du joueur formé au Nando Yosu Facility, indique le communiqué des Racinguistas publié pour l'occasion. Pablo Torre, qui terminera sa saison dans son club actuel, signera un contrat, jusqu'au 30 juin 2026, avec une clause résolutoire de 100 millions d'euros, et rejoindra le Barça B à partir de l'été prochain, précise de son côté le club culé, lui aussi par le biais d'un communiqué. L'international U19 espagnol va donc dans un premier temps s'aguerrir avec les jeunes avant d'intégrer le groupe pro de Xavier Hernandez. Le Barça peut doublement jubiler puisqu'il a, dans le même temps, réussi à convaincre Pablo Torre au nez et à la barbe de son éternel rival, le Real Madrid, qui souhaitait aussi récupérer le joueur. Pablo Torre, dont l'agent est le même que celui gérant les intérêts de Xavier Piqué notamment, est promis à un avenir radieux au sein de la péninsule ibérique. Le FC Barcelone a déjà débuté son mercato,